En déplacement en France, dans le cadre de la redynamisation des relations bilatérales entre le Gabon et l'État français, le chef de l'État, Brice Clotaire-Oligui Nguema, est arrivé le mardi 28 mai 2024 à Paris, accompagné de plusieurs membres du CTRI et des membres du gouvernement de transition. Dès son arrivée, une foule immense de compatriotes de la diaspora s'est aussitôt dirigée vers celui qu'ils se sont mis à appeler le Moïse libérateur, le héros national. Le numéro 1 gabonais séjourne depuis le mardi 28 mai à Paris en France où il devrait être reçu en audience par le président français Emmanuel Macron dans quelques heures. Au menu des échanges, les avancées significatives de la transition après le coup de libération du 30 août et surtout les recommandations faites au cours du dialogue national inclusif. De plus, hormis les relations bilatérales entre les deux pays, le chef de l'État Brice Clotaire-Oligui Nguema a été l'invité vedette du Forum économique Gabon-France qui s'est tenu ce mercredi 29 mai à Paris. C'est donc un séjour vivement rythmé pour le chef de l'État Brice Clotaire-Oligui Nguema et toute la délégation qui l'accompagne. D'ailleurs, sa présence historique sur le territoire français en sa qualité de président de la transition est fortement saluée par la diaspora gabonaise qui s'est mobilisée afin de chaleureusement faire vivre au numéro 1 gabonais l'un de ses plus chaleureux déplacements à l'étranger.